Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous avez vu à l'entrée de vidéo, j'ai fait du montage. Donc, j'ai acheté une étagère assez solide, assez costaud. Par étagère, je peux placer 75 kilos. Là, on a pour une quarantaine d'euros. Elle est renforcée, elle n'est pas encore fixée au mur, mais vous voyez, elle est très très stable. Elle fait 1m74 de haut, 43 de profondeur sur 76 de largeur. Alors, pourquoi j'ai acheté cette étagère ? Les amis, c'est parce que j'ai envie d'y mettre des plantes. Comme vous le savez, pour moi, la terrario, c'est aussi la nature. La nature, c'est aussi la terrario. C'est-à-dire que j'aime bien mélanger les deux. Et j'ai envie de me faire un coin de verdure ici. Je pense que je vais m'en faire un tout au-dessus du terrarium de Léon. Et je vais m'en faire un de l'autre côté. Donc, comme je l'ai dit, c'est des investissements, mais petit à petit. Donc, je vais ajouter de la verdure à mes installations, que ça soit en bas ou en haut. Donc, j'ai mis beaucoup plus d'espace ici. Et un peu moins d'espace. Ici j'ai 35-40, et ici je crois que j'ai 59 ou soit, enfin bref j'ai 50. Donc ça, ici parce que je sais que je pourrais mettre des plus grandes plantes éventuellement. C'est qu'on va mettre quelques plantes. Par la suite, il va y avoir un bandeau de LED. Donc des barres de LED horticole pour pouvoir faire en sorte que ça explose. Donc, les nouveaux projets aujourd'hui, ça va faire être des pots, des plantes. Vous montrer ce que je fais dans des espèces de cuves, dans des pots en verre, dans des petits vivariums. Je vais vous montrer, donc c'est le sujet de cette vidéo en même temps. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire avec un petit pot. Je vais vous faire un vivarium ou un petit terrarium tropical comme vous voulez. Il y a la possibilité par la suite de mettre une petite moustiquaire au-dessus, éventuellement si j'ai envie de mettre de l'araignée ou de la menthe religieuse. Pour l'instant, je vais vous montrer comment j'aménage une espèce de sphère, un bocal en verre que j'ai acheté autour de 4 euros dans un magasin pas très très cher. Et voilà, c'est petit à petit, c'est faire un coin de verdure ici et donner, voilà, moi c'est vraiment ce que je kiffe. Donc il va y avoir beaucoup plus, je vais essayer de faire un mural de verdure, avoir un aspect visuel et en plus avec un petit éclairage, je pense que ça va faire top. Bah dites-moi déjà dans les commentaires ce que vous pensez de cette étagère. Alors les pros de la menuiserie, je sais que 40 euros c'est peut-être moins cher de la faire soi-même, d'accord. Mais voilà, j'avais pas envie de galérer quand on voit qu'aujourd'hui le prix de la visserie, le bois encore, ça va encore, c'est pas trop onéreux, mais alors le prix de la visserie, les gens, la vache, ouah, ça douille. Bon allez, c'est parti, je vous montre ce que je vais réaliser. On va le placer ici, vous allez voir, ça va être, oh, c'est trop trop beau. Après bon, c'est sûr que ça va prendre de l'ampleur, je vais mettre, vous allez voir. Thank you.
Voilà les amis, donc comme vous avez vu, hein, j'ai fait une réalisation donc en musique. C'était beaucoup plus simple que vous expliquer exactement pas à pas et que la vidéo aurait duré au moins une heure. Donc comme vous l'avez vu, bille d'argile, toile respirante, humus de coco mélangé avec, que je dis pas de bêtises, du terra basis de chez JBL, terreau de rempotage bio. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de produit additif, il n'y a rien du tout en plus. Donc j'ai mis ça là-dedans, donc c'est un pot quand même qui est assez sympa. La pierre, c'est une pierre d'aquarium que j'avais entièrement rincée, désinfectée et tout ça. Des petites branches de mangrove, voilà, que j'ai placées directement dans le bocal. Et ensuite, bon, bah, j'ai réparti comme ça les plantes. Bon, faut savoir que les plantes vont prendre de l'ampleur et vont essayer de repartir du pot. Si je vois que celle-ci pousse trop, je la mettrai au-dessus. Je la placerai au-dessus parce que je veux vraiment que ça prenne de l'ampleur. Franchement, dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Faut savoir que je vais faire de plus en plus de pots comme ça. Je pense même, je te le dis clairement, à faire des pots comme ça, mais avec très peu de végétation, beaucoup de branches entremêlées à l'intérieur pour pouvoir y mettre des insectes. Je pense aussi le mettre comme une bouteille allongée, donc avec un support style cave à vin. Le mettre support et en mettre une, je sais pas, mais vraiment couchée. Mettre devant ce qu'on appelle une toile de roseau proof ou une grille très très fine pour éventuellement aussi y mettre des insectes. Voilà, j'adore ce genre de pot. J'ai aménagé tout ça, je veux vraiment que ça soit la verdure. Il me manque encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins 7 plantes. Ah, mine de rien, ça fait partie des projets de la Terrario pour moi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais de plus en plus de terrarium arboricole et il va y en avoir de plus en plus sur la chaîne. J'ai des gros projets que j'espère que ça va vous plaire. Je voulais mettre du broméliacé là-dedans, mais je trouve qu'elle n'avait rien à y faire, donc je ne l'ai pas mise. Vous l'avez vu sur le plan. Petit set de table en osier de la Réunion, donc coucou aux Réunionnais. Dis-moi dans les commentaires, franchement, si tu aimes bien ce genre de vidéo, c'est sûr qu'on ne voit pas de bête, à part Léon qui est là, qui n'arrête pas de faire le zouave encore, il est juste là. Voilà. Il n'a pas arrêté pendant ma vidéo, heureusement qu'il n'y avait pas de son. Il n'a pas arrêté de faire des allers-retours, de se jeter sur la grille. Si tu as des questions à me poser, bah, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires de la vidéo. Alors pourquoi aussi j'ai descendu quelques plantes dans le salon? Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a une meilleure lumière du jour dans le salon. Prochaine vidéo, ça sera bientôt sur aussi des animaux. Il y a d'autres projets, il y a des projets de sortie, là vous allez voir, ça va vous plaire. En tout cas, j'ai eu vraiment plaisir à te faire cette vidéo. Et moi, bah écoute, je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde, ciao ciao.